Eh bien bonjour à toutes et à tous, on est parti en stream. On y est, dites-moi si vous m'entendez, je vais bouger un petit peu le micro, voilà, comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien les amis? Je suis toujours dans le menu. On est sur Pokémon Ultra Lune, ça fait longtemps, ça fait grave longtemps. Oh oui, dites-moi si vous entendez bien le son du jeu. Je pense qu'il doit pas être trop fort normalement. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur Pokémon, hein, parce que les vacances et puis Mario Odyssey, voilà, donc l'un dans l'autre, tu vois. Bref, tout est good, parfait. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu l'aventure aujourd'hui, ça pourrait être pas mal. Oh, merci Max Bmax qui vient de s'abonner. Merci aussi, tiens, 2 mois. C'est ton 2e mois? Merci Max Bmax. Merci beaucoup. C'est parfait, le son correct, c'est parfait. Oui, le son est bon en général, tout est nickel. Oh oui, Sabelette. Bon, parfait. Bon, alors, je sais pas si vous vous souvenez de notre team. On avait Magikarp, Eflèche, Rokabo, Caninos, Drabi. On avait chez et Pikachu. Est-ce que j'avais pas dit que j'entraînerais le Magikarp à un moment? Merde, je l'ai pas fait du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais juste vérifier que le multi XP est activé, puis on va continuer d'avancer tranquillement. Le multi XP, il est activé. Il est activé. Ok, donc vu qu'il est activé le multi XP, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever Magikarp. Tant pis, Magikarp évoluera à un moment. Hein, mais voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut le stylet sur ce jeu. Bref, comment allez-vous les amis? Ça me fait plaisir de vous retrouver sur Pokémon. Hop, on va mettre Drabi devant pour le moment. Ah, on a Caninos aussi. Bref, voilà. Et on va avancer. On va avancer. Est-ce qu'on n'avait pas une histoire de... t'as vu ça un peu? Wesh, trop fort. Il fallait qu'on aille, je crois, par ici. Non, c'était pas par là. C'était par là. Il fallait qu'on avance. Certains disent qu'ils ont des bugs. Non, il n'y a pas de bugs. Si jamais vous avez des bugs, malheureusement, ça vient de vous. Malheureusement, je suis désolé de le dire comme ça. On est ensemble pour... Je sais pas. Jusqu'à l'heure du repas, à peu près. Quand j'aurai faim, quoi. Oh, Zélève qui nous refait un don. Enfin, qui nous refait, tu en fais plein, de 3 euros pour fêter le retour de Pokémon en 2018. Mais oui, bonne année d'ailleurs à ceux que je n'aurais pas vu sur sur d'autres lives ou d'autres vidéos qui regarderaient que du Pokémon. Je pense qu'il y en a. Eh bien, bonne année à vous. Zéro bug, no bug. Ok, très bien. Bon. Normalement, la qualité doit... Enfin, pas être meilleure, mais comment dire... Je stream différemment de la dernière fois du Pokémon, là. Donc, j'espère que c'est bien. Normalement, c'est bien. Moi, je suis un peu plus... J'ai l'écran un peu plus gros, ça me fait bizarre, mais... Passons. Je confirme pas de bug. Bah, c'est nickel. On est perfect. On va faire un morsure. Bon, vous me risquez souvent de me voir baisser la tête, parce que j'ai la... Hein, j'ai ADS, hein. Mais, comment vous expliquer? Avant, sur l'écran sur lequel je jouais sur le PC, j'avais l'écran du haut et l'écran du bas à la même taille. Un peu comme là en fait, tu vois. Sauf qu'en fait là je joue directement sur mon layout. Très, très technique. Et du coup en gros, là j'ai l'écran tout petit comme vous. Mais du coup pour voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Donc vous me risquez de beaucoup me voir baisser la tête. Mais ce n'est pas très important. Hein. La qualité est bien, ça va. Bon bah ça va. Ton avis sur Pokémon Ultra Lune, c'est sympathique, ça me fait plaisir de jouer à un Pokémon, mais c'est quand même sacrément du Reddit. Ça, c'est ça, y a pas, voilà. C'est quand même sacrément le même jeu, j'ai l'impression. Ah, ok, il y a quelques petites différences, mais quand même, quoi, bon. Voilà. Mais bon, pas grave, si tu prends le chemin, tu atteindras le sommet. C'est pas grave. Dans tous les cas, il fallait que j'aille là, moi. Alors. Bonjour, il n'y a pas une histoire, vous me soignez? Non, c'est le début de l'épreuve. Ah, si, il me soigne, bien ce que m'y semblait. As-tu des infos sur le Pokémon Switch? Pff, malheureusement pas. Des rumeurs qui disent en 2018. Moi ça... Honnêtement... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? C'était pas par là. Bon, c'est pas grave, on explore un peu. Honnêtement, si le Pokémon Switch sort en 2018, c'est la fête, hein, les mecs. Enfin, moi, j'y crois pas en 2018. On ne sait rien du jeu. Moi, pour moi, c'est 2019. Hein. Pas avant. Mais ce serait cool qu'il sorte en 2018. Le flanc est du volcan. Mais c'est pas ce que je voulais faire, je voulais démarrer l'épreuve. Ah ouais, les fameux yeux de Motisma, c'est vrai. Ça y est, c'est l'heure du Motisma Gogo. J'avais oublié. Merci Lotar et Lana. Merci à toi. Merci beaucoup du soutien. Évidemment. Deux Moti récup PV. Donc on va partir pour du environ 45 minutes. Ouais, épisode de 45-50 minutes. Merci Demtei TV. Merci beaucoup. À peu près, comme ça, voilà, ça fera 2-3 rediff, je pense. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a mis... En fait, le début était tellement lent que j'ai l'impression qu'on a rien foutu sur Pokémon. En nombre d'épisodes, on a à peu près au même nombre d'épisodes que Mario. Mario, je l'ai fini. Bon, enfin, je l'ai pas fait à 100%, mais je veux dire... Et là, j'ai l'impression qu'on est tellement lent sur ce jeu, tellement le début était lent.
Mais bon, c'est pas grave après. Là, à partir du moment où on est sorti de la première île, ça va aller un petit peu plus vite normalement. Draco souffle là. Ok. Tu es de quelle ville, Sif? Je suis de Marseille. Dans le sud. Je viens de faire le boss des piaps sur Zelda Breath of the Wild, je suis très content. GG! GG, GG, GG. Dans ta vidéo 2007, t'as pas mis Arc Survival, je t'avouerai que je m'ennuie de Arc avec Prof. Ah, Prof et Arc. Une grande histoire d'amour. Ouais, je l'ai pas mis parce que... Parce que, en fait, je l'ai pas... Oui, pourquoi je l'ai pas mis? Je sais plus. Non, putain, pas entrave. Pas de putain, enfoiré. Oui, si, je sais pourquoi je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis pour une raison simple, c'est que, en fait, début 2017, c'était la fin de la série Arc, et c'était pas une série qu'on avait, d'accord, qu'on avait lancée en 2017, en fait. C'est pour ça que j'avais fait ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pour ça. Bon, tant pis. De toute façon, bon, les niveaux de notre team sont assez disproportionnés, surtout ce Pikachu Sacha, là, complètement pété. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'il était complètement... cheaté ce Pikachu. Ok. Mais il est trop bien ce Pikachu. Mais il y a le nouveau arc en plus là qui... Ouh, attention quand même. Il y a le nouveau arc là qui est... C'est quoi aberration? Non, non, c'est pas aberration. Si, c'est pas ça. Non, c'est quoi arc Vous allez me le dire de toute façon. J'ai oublié le nom. Je sais plus du tout. Étincelle. Bon, étincelle, ça fait 65 en machin, 4... Non, c'est mort. Voulez-vous... garder les anciennes capacités. Aberration, si aberration. Ok, c'est arc aberration. D'accord, très bien. Non, garder les anciennes capacités. Ah, j'aurais peut-être... un picor. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Ok, on l'a eu. Bon, ça nous fait un tout petit entraînement. On prend. On prend, on prend, on prend. Bonjour. Il y a des CT, il y a des... ouais... Ok, très bien, je voulais éviter de rencontrer quelqu'un, c'est pas grave. Un passe rouge. Comment j'ai fait pour avoir ce Pikachu déjà? Putain, comment on avait fait hein? On l'avait fait en plus. Non, j'aurais pas dû faire ça. Putain, je vous dis, j'ai l'écran en petit, du coup je vois pas ce que je fais. Comment j'ai fait pour avoir ce Pikachu? Je sais plus, j'étais allé parler à un mec sur la deuxième île, mais je sais plus s'il fallait faire un truc spécial avant. Je crois pas. J'étais juste allé lui parler. Il me semble que c'était ça, l'histoire. Via le QR code, exact, via le QR code. Bon, les passes rouges, vous êtes gentils, mais on se casse. Voilà. C'est ça, ouais, c'était via le QR code. Tu es premier mondial, Pokémon. What the fuck? Premier mondial? De quoi? En stream Pokémon? C'est quoi l'histoire? Je sais pas. Yeah! Je ne crois pas. Tombe Roche! Oh, bien ça, bien, bien, bien. Alors là, Drabi va être content. Bien, bien, bien. Tombe Roche, ça tombe très, très bien. Tombe Roche. Drabi, voilà, Drabi. Ah, Drabi ou Rocabo? Bon, les deux, pourquoi pas au pire, vu qu'on peut les utiliser plusieurs fois. Mais Drabi, on va lui apprendre. Il a pas d'attaque roche actuellement. Non, il a pas d'attaque roche, on va enlever gros yeux. Bien, bien, bien. Talent. Est-ce que tu nous présenteras Taël? On verra, peut-être. Peut-être, oui. Pour ceux qui ne savent pas, Taël, c'est mon prochain chat. Mon nouveau chat qui arrive bientôt, dans 10 jours. Go, toi, t'es un montagnard, donc Eflèche, il va se faire plaisir. Il faut encore que je clique sur les yeux de Motisma. Ah ouais, mais c'est chiant parce qu'en plus vous me spammez avec ça alors que je m'en fous du Motisma honnêtement. Je crois que... Enfin si c'est toutes les 5 minutes qu'il faut cliquer dessus, ça va être bien chiant. Tu as encore beaucoup à faire dans ce Pokémon mais les changements arrivent et se font remarquer après qu'on est quand même bien avancé dans le jeu. Ouais, non mais je sais qu'il y a des changements mais... Enfin voilà quoi, ça casse... je trouve quand même que ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. J'aurais bien aimé des vrais changements. Mais bon, on verra, je vais peut-être être surpris. Ça reste un plaisir d'y rejouer, quoi, mais c'est vrai que je suis moins motivé, entre guillemets, que si ça avait été un nouveau Pokémon. Rejoueras-tu à Minecraft Story Mode? Oui, 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 d'ailleurs, je compte bientôt vous le reprendre. Peut-être cette semaine, d'ailleurs, on verra. Ou enfin, plutôt semaine prochaine, parce que là, on arrive en fin de semaine, mais bientôt, 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 bientôt. Hop, voilà, ah, Magikarp monte petit à petit. Magikarp monte. Non, c'est pas un chat gris. Ce n'est pas un chartreux. C'est un sacré de Birmanie. C'est un petit sacré de Birmanie. Et du coup, là, on va revenir, j'imagine, au tout début, en chopant la Pokéball qui est juste là. C'est pas ça l'histoire? Oui, c'est ça l'histoire. Ok, bon, bah voilà. On va pouvoir soigner nos trucs.
Non, aujourd'hui on va faire que du Pokémon encore une fois. J'essaie de relancer un peu les séries, puis comme ça après j'ai plusieurs épisodes en stock. Et derrière, promis, on fera des trucs. Enfin, derrière, pas aujourd'hui, mais un autre jour, on fera du Fortnite, du Zelda, etc. Voire même du Mario, hein, parce qu'il nous reste des choses à faire. Tadadam. Alors, on y arrive. Alors, par contre, je suis clairement pas certain d'avoir le niveau pour ça. Hein. On va essayer. Écoutez, je pense pas avoir. Enfin, je sais pas. Je m'en rends pas compte. Tu es donc venu. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'étudie les danses traditionnelles d'Alola avec mes ossatueurs. Mon épreuve est différente de celle que tu as vue jusqu'ici. Mais tu es prête à relever le défi, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est bien là, direct, voilà. On rentre bien dans le bain, direct, on fait une épreuve. Ça s'enchaîne un peu là, le jeu, c'est bien. Ce qui va être vraiment testé dans mon épreuve, c'est ton sens de l'observation. Concentre-toi sur ce qui change d'une danse à l'autre, en piste. Ok, alors attendez. Alors la dernière fois, on avait eu un gros lézard, là, je sais plus son nom, mais... Ça, je connais pas les Pokémon de cette génération. Est-ce que... Mais je pense qu'on était sur Soleil, là on est sur Lune, donc si ça se trouve, on va pas avoir le Pokémon dominant cette fois. Enfin, on va pas avoir le même Pokémon dominant, c'est même possible. Observe attentivement les pas de danse de ces ossatueurs. Impressionnant, ok. Je vous avoue que j'ai eu... Ah d'accord. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur dans le sens où j'ai pas... Plus écouter que ça le truc, en fait, j'étais en mode merde, je sais pas ce qui a changé. Bon, j'aurais peut-être pas dû envoyer Drabi, hein, mais. Bon, allez, hop là, on le tente. Soyons des fous. Soyons des fous. Ouais, ça fait très peu. Merci, monsieur Apple! Merci beaucoup, c'est juste que j'ai la flemme de changer de Pokémon. Au pire, on peut se soigner. Non, on peut pas se soigner. On va switcher de Pokémon et on va prendre Efflèche. La meilleure des épreuves, c'est la dernière. Tu peux récupérer un Rocabo qui évolue en forme crépusculaire avant le 10 janvier. Alors, Bagnant. On l'a déjà fait en fait. Le Rocabo que j'ai dans ma team, c'est le Rocabo de crépusculaire. D'ailleurs, putain, faut pas que je loupe son évolution, mais je crois que c'est niveau 25, il y a encore le temps. Genre, il a raté, wesh! Efflèche, tu pourrais y aller? Mais on l'a déjà pris le Rocabo crépusculaire, vous inquiétez pas. C'est celui de la team. Mais wesh! Oh! Tu as touché un moment? Merci! Non, t'inquiète, hein, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ça ne fait pas du tout de dégâts en fait, je fais de la merde. Je fais littéralement de la merde depuis tout à l'heure. Putain, un ossature. C'est un ossature d'Alola, il est type quoi l'ossature d'Alola? Il est seul quoi? Peut-être que je délire total en fait. Putain, il est. Il est vraiment type feu? Non, il est pas type feu, mais il m'a fait une attaque feu. Feu et spectre! Oh, c'est pas beau! C'est pas beau du tout! Bon, bah. Du coup, Pikachu, hein. Ouais, j'aurais pu utiliser attaque roche aussi. Je savais pas que c'était un feu et spectre, c'est pour ça que j'étais en mode pourquoi ça lui a pas fait de dégâts mon attaque? Genre, mon attaque est électrique. Allez, hop là. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ton broche. Mais passons. Hop là. Ça c'est fait. Ah, pas me faire chier un moment. Ce Pikachu est tellement pété, c'est dingue. Ouais, Caninos. Tu as attisé l'esprit de compétition de Saturne en donnant la bonne réponse. En piste, c'est parti pour la deuxième danse. Alors. Ok, de dos, gauche et droite, il regarde. Observe attentivement les pas de danse. Ah, celui du milieu, regarde. Bah, c'est lui qui a changé. L'expression du montagnard. C'est en mode, what? Il peut avoir paratonnerre et torche comme talent. As-tu entendu parler du jeu sur mobile qui s'appelle Last Day on Earth? Non, pas du tout. T'as un Magmar, mec! Allez, le problème c'est putain, vivement que j'ai Léviator pour avoir une attaque haut quoi. Là j'ai pas. Bon, on va y aller en bois. Hein. On va y aller en bois. Pas sûr que ça lui fasse beaucoup de dégâts ce que je fais là. Tu le sens? Ouais, tu le sens le mec qui est rouillé. Ah si, on l'a paralysé, c'est bien. Tu le sens le mec qui est rouillé de chez rouillé sur Pokémon? Tu le sens? Tu le sens bien? Le mec qui déjà de base ne connaissait pas sa table des types, mais alors là. Voilà, merci. Ça fait un peu plus de dégâts. Me tue pas, s'il te plaît. C'est bon, parfait.
Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se soigner? Non, tuons-le. Tuons-le. Ah, merci. Salut. Vas-tu faire l'arbre de combat? Je ne pense pas. Oui, je le sens. Lol. Ça va, ça va. En plus, je suis pas concentré à fond, je vous lis en même temps. C'est toujours une bonne excuse. Du coup, ce bras montagnard, selon l'anglicite, se mesurer à toi. Très bien. J'espère que tu es fin prête pour notre dernière danse. Alors, est-ce qu'il va y avoir le lézard? Je ne sais toujours pas son nom, c'est horrible. Je connais pas la 7ème génération. Ok, de dos. Et les deux qui sont pareils. Les trois du fond, ils ont la même pose. Ah! Donc c'est un ossature, le dominant. Qu'est-ce qui a changé? Le Pokémon dominant. Le grand Pokémon, le Pokémon... Bah, c'est le Pokémon dominant. Mais on va dire le grand... Qu'est-ce que je... Putain, mais... Ça se trouve, il y a un piège. Est-ce que les deux sont valides? On va dire le Pokémon dominant. Ouais, c'est bon. Allez, hop là. Du coup, c'est un ossature, le Pokémon dominant. Très bien. Bon, on devrait l'avoir, je pense. Quel niveau il est? Je vais perdre des Pokémon, très clairement, mais j'ai des rappels et tout, je crois, donc... Putain, il est grand! Niveau 22. Bah, ton broche. Merci, Pierre Mangas. Rip Drabi. Très bien. Tu vas pas me faire chier longtemps, toi, je te le dis. Pika? Oui, allez, on va utiliser la Pika Chaz Elite, là. La Sacha Elite, je sais plus c'est quoi son nom. Oui, appelle du renfort, tu vois. Pour me rattraper, il faut le faire évoluer au niveau 25 entre 5h et 6h du matin. Bonne chance, j'espère que tu le sais. Oui, t'inquiète. Je le sais. Mais on inversera l'heure de Hades. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur qui j'ai mis? Oh putain, le con, j'ai envie de me tuer. Oh putain, tuez-moi, je l'ai pas mis sur le bon, j'ai bourriné. Ah, le boulet! Je l'ai pas mis sur le bon, je l'ai mis sur le petit ossature de merde. Enfin, l'osselet ou un ossature, je sais plus ce que c'est. Tuez-moi. J'ai bourriné par réflexe. En plus, je vous dis, le petit truc est petit, j'ai le petit écran là. Pour vous montrer, parce que là, je crois que les gens comprennent pas. Regarde! Regarde! Regarde comme c'est petit par rapport au grand écran! Tu le vois comme c'est petit? Bref, alors là, vous êtes loin, mais. Et du coup, je l'ai mis sur le malamandre. Voilà, on applaudit le boulet! Ah putain, je fais des conneries! Ah ben, El Famoso Malamandre qui était mort. C'est lui! Très bien, bon, du coup, j'ai foiré mon attaque. C'est génial, c'est ça qui est bien. C'est ça qui. Voilà, c'est ça qu'on aime. Qui va me niquer la gueule, en fait, littéralement. À cause de cette erreur. Voilà, il va m'éclater la gueule. Donc, je pense qu'on a perdu ce combat. Là, pour le coup, j'ai vraiment merdé. Je pense qu'on a perdu ce combat. Alors, attendez, c'est pas encore mort. On va envoyer Magikarp, qui de toute façon ne peut rien faire. Et on va soigner les autres pendant ce temps. T'inquiète. Sac, on a des rappels, hein, rassure-moi. Oui, c'est bon, j'ai des rappels. J'en ai combien? J'en ai 14. C'est bon. T'inquiète. T'inquiète pas. En plus, il est paralysé, donc j'attaquerai en premier. Donc, ton broche, c'est bon. Don't panic. Oh, il est encore paralysé en plus, ce con. Super potion. Sur Drabi. Une potion aurait suffi, mais c'est pas grave. J'ai fait tellement de la merde. Bah, c'est ça qui est bon. Il a toujours pas pouvoir m'attaquer. Lol, mais putain, mec. On va soigner Pika du coup en même temps. Parce que Pikachu avec un Fatal Foudre il pourrait quand même te faire du mal. Hein. Attends. Putain, mais il peut pas attaquer. Je l'ai tellement paralysé qu'il arrive pas à attaquer. Eau fraîche sur Pikachu. Hop là, ça passe pile poil. J'ai fait de la merde. Disons-le très clairement. Ça y est, eh ben dites-moi, il était temps. Bon, désolé Magikarp. Ah, par contre, ça c'est con. Il aura pas l'XP du combat. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, alors, Drabi. Ton broche. Tu vas voir. Hop. Ton broche. Tu ne fais pas de conneries cette fois, s'il te plaît, merci. L'attaque qu'on adore. El Famoso détection. On recommence. Hop là, sur ossature. Allez. Ah, c'est super efficace. Merde. Il pique. Bon, on va l'avoir à l'usure. Hein. Corps maudit.
Mise sous entrave, si tu veux, mais... Il a la trouille, bien, tac, 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 tac. Ah mais non, hein, tu l'as sous entrave, putain, je suis con, je sais même plus rien. Il est paralysé. Ça va, derrière on lui met un Fatal Foot de Pikachu et c'est bon, qui a des stats pétés en plus. Ça va le faire. On va peut-être même l'avoir comme ça s'il reste paralysé, je sais pas. La vitesse baisse. Ok, voilà, il me tue. Et là on envoie Pikachu et là... Mais en espérant... Alors, il y a juste un truc qui me ferait chier. Ah oui, putain, il est niveau 22 au cabo, faut que je fasse gaffe quand même. Je vais peut-être lui mettre une pierre stase, hein, parce que... Ne me foire pas la Fatal Foudre, je te demande juste ça, ne me la foire pas, quoi. Voilà, c'est bon. Non, oh, genre... Non, monsieur, là, franchement, monsieur... Deux fucking PV. T'as intérêt à me la tenir, la Fatal Foudre. Tu me la mets. Oui, je suis paralysé, mais je suis mort aussi. À cause de ta putain de brûlure. Ah, on va y arriver. Allez, Caninos, il a morsure. Hop. On n'en parle plus. Voilà, c'est bon. Bon, il m'aurait un peu fait chier. J'aurais fait de la merde, hein, très clairement. Mais au moins, c'est fait. Ouais, mais j'ai eu peur que tonnerre, ça le finisse pas. Mais bon. Ça passe. Contre, je sais quoi, contre. L'enchère, on aurait cherché le coup. Plus tes PV sont bas, et plus l'attaque est puissante. Bon, à la place de hurlement, ouais, vas-y. Fais donc. Si Rocabo évolue à partir du niveau 25, il peut évoluer après, donc pas besoin de pierre stase. Non, je sais, pas forcément besoin de... Ah bah, merci Kirou, merci à toi. Je sais, mais qu'il a pas besoin... Mais le truc, c'est... Ah bah t'as ton broche, la fameuse. C'est juste pour pas m'emmerder à lui couper son évolution, en fait. Je vais voir. Ou alors je change l'heure de ma DS à la pause. La question, c'est est-ce que si je... Si j'avance de 12 heures l'heure de ma DS. Ah non, mais il est 17 heures. Ah ouais. Ah, tu m'as épaté. Réinvente une infime différence entre nos danses. Mais en plus, tu as terrassé sans mon chat le terrible Pokémon dominant. Je te remets officiellement la pyrosélite qui le protégeait. Donc ça veut dire que si je change l'heure, c'est-à-dire si j'avance de 12 heures, tu vois, moins 1, enfin voilà, à 11 heures, il sera considéré comme étant 4h40 du matin. Et donc le temps qu'on le mette niveau 25, il sera entre 17 et 18. Enfin, 5 et 6. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire ça. Il évoluera pas, c'est bon. Non, ça te fait rien si tu mets entre 5 et 6 heures. La pause pour utiliser avec classe, c'est ça. Merci à vous, mes fidèles ossatures. Bon, dans tous les cas, ça c'est bon. Ah, tiens, prends ceci. Qu'est-ce qu'il m'offre? Ah, 10 Rapid Ball, ok. Très rapide ball. Pour finir, laisse-moi ajouter Dracaufeu à ta liste de Pokémon tueur. Ah, merci, merci. Putain, ça je l'attendais. Oui, 5h du matin sur la DS. Donc si je mets 5h du matin à la DS, retourne au pied du volcan, montrer ta pyrosélite à l'assistant de l'épreuve. Ouvrir la barrière. Merci Zelef. Et une épreuve de plus de réussite. GG, merci à toi. C'est entre 5 et 6h du mat. C'est pas à 5h du mat pile, quoi. Genre ça, on est d'accord. C'est entre 5 et 6h. Donc... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Putain, c'est où la Pokémon tueur? Je sais plus comment on fait. Attends. Comment je sélectionne ma Pokémon tueur? C'est B, c'est X, c'est Y. C'est Y, c'est bon, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire, mais... Bon, bref. On va aller... Vas-y, zoom un peu, là, parce que... Ah, hop là, on va l'ici. Du coup, j'ai pas vu. Je pense qu'on peut le faire de 5 à 6 heures. Ouais, non, ça je sais, mais...
Enfin, oui, ok, on peut le faire de 5 à 6 heures, parfait. Du coup, c'est nickel. Je vais juste me soigner. Ouais, alors je sais que je récupère pas aussi les petites affiches jaunes là. Je vais être franc, ça me fait un peu chier cette histoire en fait, je m'en fous. Je m'en fous un petit peu en fait. Bonjour. Ça se trouve, elle me soignait en fait, hein, mais bon. Entre 5 et 6 heures et entre 17 et 18 heures dans tous les cas. Très bien. Je vais mettre la pyrosélite à Caninos. Faudrait que je le fasse. Je vais faire ça tout de suite. Et là, dans à peu près 20 minutes, il y aura la pause. Donc dans 20 minutes, je changerai l'heure de ma DS. Et d'ici là, normalement, on devrait être bon. Enfin, il sera niveau 24 et quelques, donc c'est bon. Pourquoi t'es une meuf? Pourquoi t'es une meuf, wesh? Je suis une fille parce que j'avais envie de changer un peu. Justement, ça change un petit peu de d'habitude, je trouve, donc j'aime bien. Motisma. C'est bon, t'es content? Voilà. On est reparti. Du coup, on enchaîne un petit peu tout ça. Il reste des choses à faire sur cette île. Ta-da-ta-ta. Bonjour, madame. Ah, bonjour, monsieur. Ça me dit rien, ça. Si, peut-être, je sais plus. T'as réussi l'épreuve de Kyavé? Excellent. Tu peux désormais appeler la Pokémon Tour Dracaufeu. D'ailleurs, ça te dirait de visiter un centre de loisirs destiné aux Pokémon de tes boîtes PC. Pour t'y rendre, c'est tout simple. Ouvre le menu avec le bouton X et sélectionne Poké Loisirs. Ah, c'est le. C'est nouveau, ça? Ou c'était le truc, là, le parc bizarre? Je crois que c'est le parc bizarre. C'est une Pyroselite, ça veut dire que t'as réussi l'épreuve de Kyavé. Toutes mes félicitations. Dans ce cas. Merci, Lilix Frey. Merci beaucoup. Et voilà, tu peux passer. L'épreuve de Barbara a lieu dans la jungle Sombrefeuille. Oui, je m'en souviens bien. Allez, go. Le tunnel. On est parti. Ah. Oh non, encore vous. C'est là où t'as les fèves et les îles. Que se passe-t-il? Le niveau d'aura ne cesse de grimper. Je regarderai peut-être à un moment, mais on avance un peu. Parce qu'on... En fait, le jeu a tellement été lent à démarrer que j'ai envie d'avancer un peu. Allô là, à toi. Qu'est-ce que vous me voulez encore, vous? Il est bien beau ce tunnel. C'est fou tout ce que les humains peuvent accomplir avec l'aide des Pokémon. Par ma moustache, je crois que je tiens une théorie. Les habitants d'Alola, au cours de leur tour des îles, défient des Pokémon dominants. Or, ces Pokémon sont enveloppés d'une aura. Et si au cours des combats, l'aura du Pokémon dominant finissait par affecter le dresseur? Mais dis donc, jeune fille, je vois que tu as plus de cristaux Z qu'auparavant et tu es maintenant capable d'utiliser les capacités Z. Je m'entraîne. La lumière émise par les capacités Z est identique à celle qui baignait notre monde jadis. On n'utilisait pas cette énergie pour combattre, mais elle était très précieuse. Captain Jim, nous devons nous mettre en mouvement, l'heure approche. Notre technologie est peut-être des plus avancées, mais nous devons l'adapter si nous voulons l'utiliser avec les Pokémon. Pour cela, nous avons décidé de solliciter l'aide d'un éminent chercheur en Pokéologie. De toute façon, je sauvegarderai. Je vois des gens encore qui parlent du Rocabo, je sauvegarderai avant, vous inquiétez pas. J'ai pas envie de faire une connerie avec ça. Ok. Nous avons passé le chemin. Donc on est bon. Oh mon dieu! J'ai un gros truc qui m'apparaît en plein milieu de l'écran, je ne peux plus bouger! Bid Oxido a fait un don de 5 €, merci à toi, je dois y aller. Bon live à toi, merci à toi vraiment, ça fait plaisir. Je ne voyais plus rien à l'écran, mais merci à toi. Ça fait grave plaisir. Du coup. Attendez. Là. Ah, ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, je parle pas à tout le monde parce qu'on connaît un peu, hein. En fait, je voulais voir surtout la Pokéball sur le côté. Merci, au revoir. Salut, Nikolai. C'est ça le truc, Nicolave? Truc comme ça? Je crois que c'est ça. Hé, toi là-bas! C'est pas la première fois qu'on le voit. Nikolai. Pardonne mon impolitesse, mon nom est Nikolai. Je mène des... Putain, je m'en souvenais. Je mène des recherches sur les sujets suivants. Comment révéler le potentiel caché des Pokémon? En résumé, j'essaie d'identifier ce qui fait qu'un Pokémon utilise ou non toute sa puissance. Et je suis persuadé que la clé réside dans le lien qu'il entretient avec son dresseur. A ce titre, un type de dresseur me fascine tout particulièrement. Ceux qui, comme toi, se lient à leur Pokémon grâce au pouvoir du Super Bracelet Z. À propos, je ne t'ai pas encore demandé comment tu t'appelles. Luna, je tâcherai de m'en souvenir. Pour fêter notre rencontre, accepte donc cette CT. Nitro charge, bien. Alors, je sais que l'épreuve suivante, c'est l'épreuve de... Bichente qui fait un don de 2 €, bonne année à toi, merci beaucoup. Hein, Pokémon dominant de la jungle sombre feuille, ce... Voilà, c'est Pokémon plante.
Du coup, là, il va falloir que j'entraîne Kaninos à fond. Serait-ce la puissance que je combatte entre la pyrosélite et les attaques feu qui me donnent, ça va être bien plus puissante encore que la méga évolution. Décidément, entre ça et les lieux dédiés aux Pokémon, comme l'archipel Poké Loisirs, j'ai vraiment bien fait de venir à Alola. Je sens que je vais prolonger mon séjour. Sur ce, je dois te quitter, Luna. Des personnes assez étranges ont besoin de mes services pour une curieuse mission. Très bien. Alors. On va mettre Kaninos devant, les amis. Là, il a quoi, là? Il a Nitro Charge ou pas? J'ai pas vu. Non, c'est bien ce que je disais, il a pas Nitro Charge. On va lui apprendre Nitro Charge. Hop, sac. Là, alors, pour tous les gens qui me demandent si aujourd'hui je vais faire du Fortnite ou du Zelda, etc. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera full Poké. Histoire de reprendre bien comme il faut la série. Donc ça, c'est physique, 50. J'ai une meilleure attaque... Non, j'ai une meilleure attaque SP. Physique. Bof. Roue de feu, ça fait combien? Ça fait 60. Et Nitro Charge, ça fait 50. Tour de flamme pour attaquer l'ennemi. Il se concentre, sa vitesse augmente. Ouais, bon... À la place de Flamèche, éventuellement, on peut. Mais non, je suis con! Bon, après, Flamèche, c'était pas très puissant. Putain, mais je suis con, j'ai une meilleure attaque SP, j'enlève ça. Oh là là. Je suis pas concentré. Je réfléchis à 50 000 trucs en même temps. Ce n'est pas grave, on est en détente. Du coup, moi, je voulais aller voir en bas, là. J'avais vu quelque chose. J'avais vu une dresseuse, déjà. Bonjour. Oh, comme je t'ai esquivé, ma meuf. De ouf. Bijou, là. Tu veux te battre? On va faire des combats, il faut que j'entraîne. Ça, on n'est plus très loin de l'épreuve, il me semble. J'ai un doute. Il me semble. Eh! On attaque! C'est tellement ça! Eh! Eh! Salut! Un Evoli! Evoli! Non, c'est pas un Nuzlocke. J'aurais pu, mais non. Non, non. Alors, niveau 20. On n'est pas trop en retard avec ces Pokémon-là, ça va. Contre. Allez! Ah, ah oui, c'est vrai qu'au moins j'ai de PV, au plus ça fait de dégâts. Bah, c'est super efficace quand même, vas-y refais contre. Du coup là, aïe. Oh oui, bien, 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 vas-y, affaiblis-moi bien. Le truc il n'a pas de sens. Et maintenant, BAM! Tu vas quand même me défoncer en fait, on est d'accord. Là il va m'attaquer. Non, c'est bon, ça passe. Je le bute. Voilà, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Parfait. Bon, Magikarp, tu peux pas évoluer à un moment? Il est long à évoluer, Magikarp. Bon, il finira bien par arriver, mais à partir de là, t'inquiète, Léviator, ça va y aller. Ça va y aller. Il me manque une attaque haut, c'est vrai. Hein. Il me manque une... Attends, y'a quoi là? Ok. Il manque une petite... un Pokémon haut. Mais bon. On prend notre temps. Hop là, regarde-moi ça comme ça. Brain la route. Bonjour, madame. Tu me soignes, toi, non? T'es une infirmière? Je crois. Non. Sartasas revient voir après avoir vaincu tous les dresseurs. Ouais, mais... Ah, je pense... Ah! J'aurais pas cru... Je pensais pas qu'il m'aurait eu depuis la hauteur. Je pensais qu'il fallait que je passe par le petit chemin qu'il y avait derrière. Mais bon. C'est vrai que j'ai l'attaque de feu aussi. Faudrait que je la teste. Brocélome. C'est un type plan... Non, c'est un type spectre, ça, non? Je pense. On va faire... on va quand même utiliser l'attaque juste pour voir la force Z, en fait. Oh, j'en ai deux. Ah bah non, c'est la même chose. Pourquoi j'ai deux fois le même truc? Étonnant. Tu peux faire une dédicace à ma soeur Lucie qui a enlevé la connexion de sa tablette pour me laisser regarder ton live STV. Ah, ça c'est gentil Lucie. Mais alors une dédicace à Lucie. Voilà. Vous êtes des fous. L'animation est stylée. Ça ne le tuera pas mais l'animation est stylée. C'est un Pokémon plante, je n'ai rien dit. Je pensais que c'était un spectre vu la gueule, même s'il y avait des petites plantes sur les côtés, c'était peut-être un plante spectre. Ce qui est possible. Pikachu monte au niveau. Mais alors ce Pikachu, mais. Ah mais vu que c'est un Pokémon échangé, est-ce qu'il n'y a pas un délire de. Alors Picléron, on va changer. Il faudrait que je vois un truc. Résumé. Do. Il n'y a pas le Do là, Do. Moi je regarderai plus tard. Je me demande si c'est pas. Il gagne pas plus d'XP que les autres parce que c'est un Pokémon échangé, c'est possible. Hein. Il a pas un bonus. Quoique non, parce que je l'ai reçu. Non, je l'ai reçu via QR code. Je sais pas. C'est bizarre. Hein. Bizarre cette histoire. Mais il est tellement. Il a 10 niveaux de plus que les autres, limite. Alors que je l'ai eu il y a pas longtemps. Et il est vraiment tellement pété. Il a des stats de. Non, mais. Il a des stats de fou. Hein. Oh, après, petit à petit, ça monte. Drabi monte au niveau 20. Yeah. Pokémon échangé. Il est pas échangé.
J'aime quand c'est comme ça. Écoutez, on va vite vérifier. Ça va être vite vu. Résumé. Do, Sacha. Enfin, je dis Do, je sais pas, donc c'est pas le mien. Donc c'est bon. Objet. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Soigner. Hop là. On est bon. Allez, encore une petite dizaine de minutes et on fera la première pause, les amis. Je pense. Et ensuite, bah, le truc d'après, on pourra aller se faire le mec. Enfin, le mec, on pourra aller se faire l'épreuve, je pense. Donc, ça, c'est cool. Ah, en fait, ici, c'est pour les esquiveux. Non, bah, vas-y, attaque-moi, hein, c'est pas grave. C'est pas un problème, tant qu'il n'y a pas des objets. Bon, il y a peut-être des baies derrière, mais bon. 1,5 fois plus d'XP, c'est pour ça. Bon, par contre, apparemment, il peut pas évoluer en Raichu, je crois, mais on s'en fout. Je m'en fous, je veux pas le faire évoluer en Raichu. Justement, c'est pas un problème. Nounourson. Il est mignon. Allez, Caninos. Bon, même si ce sera peut-être pas l'attaque la plus efficace, on va quand même faire notre attaque de feu pété. Bah, l'idée là serait quand même qu'il soit. Qu'il arrive bien. Bien XP, le Caninos. Histoire de pouvoir faire. Surtout que je me rappelle que dans mon let's play sur Ultra Soleil, j'en avais chié contre. C'était quoi? C'était pas un Mimantis ou je sais pas quoi? Mimantis Pokémon. Mimantis. Ultra Soleil, c'est ça? On va voir l'image de ce truc. Non, c'est l'évolution de Mimantis. C'est Ah non, c'est Mimantis. Je crois, dans Ultra Soleil, ça devait être un truc du genre. Ah bref, c'était Oh, t'es ultra chiant! Que va faire Caninos? Morsure. Ah putain, il a patience l'autre en plus. Oh, j'étais dans la merde. J'aurais bien envie de sacrifier Ouais, envoie Pikachu, il l'encaissera peut-être. Peut-être pas, mais... Floramentis, ok, c'est ça. Et donc là, ça va pas être le même, parce que pour le moment, chaque Pokémon dominant n'est pas le même. Ah si, si, oh, il est mort. Hein. Si, si, Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, moi, voilà, tiens, allez, bim. Est-ce qu'on avait eu le même le truc aquatique, on avait eu quoi, là? On avait eu le banc de poisson qui s'était regroupé, ou on en a vu un autre? Je sais plus. Putain, ça fait longtemps, du coup je ne sais plus. Hop, je vais checker vite fait. Merci beaucoup, Dono. Merci beaucoup. On avait eu. Voilà, il est mort. Ok, nickel. Vlag, je me souviens plus. Le Pikachu Ultra. Enfin, Drabi, ça doit être ça. C'était. Ah ouais, c'était la grosse araignée d'eau. Oui, exact. Tarambule. Exact, voilà, c'est ça. On a vu qu'il y a un petit décalage, mais c'est ça. Ouais, donc à chaque fois, on a eu des Pokémon dominants différents. Donc la logique voudrait que ce soit encore des Pokémon dominants différents. On arrive bientôt au centre Poké, c'est cool. J'ai pas vu s'il était passé niveau 24, l'autre. Mais faut pas qu'on le loupe. Bon, ça devrait aller. Ta-da-dan. Il en a deux. Il a quoi? Ça va, cette route avance à peu près bien. À peu près tranquille. Amagara. Waouh. Rayleigh. Un petit Amagara. Je trouve ça assez... paradoxalement, assez stylé, ce Pokémon. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il a une tête chelou, hein. On est d'accord. Mais je le trouve assez stylé. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Yep. Excusez-moi, je check des trucs en même temps. Sur le PC, bidule. Bonjour, j'ai manqué quoi? Tout. Tout, absolument tout. Tu as tout raté. Non, mais tu as raté une épreuve. Ouais, t'as raté une épreuve, mine de rien. Qui dans ma tête était beaucoup plus long que ça, alors qu'en fait on y accède direct. Oh, monsieur Drake Laws qui fait un don de 5€, salut Sif, je te dis vraiment bonne chance pour l'épreuve type électrique. Il m'a fait mal, sinon très bon live comme d'habitude. L'épreuve type électrique, tu sais que je m'en rappelle même pas, je crois. C'est ça le pire, c'est que je crois que je ne m'en rappelle pas. Mais merci beaucoup en tout cas, ça fait très plaisir, merci pour ton don. Voilà, morsure, onde boréale, aïe. Ce n'est pas très efficace. On va faire une petite nitro-charge pour voir ce que ça donne. Pour la température, je sais même plus ce qu'il est. Pour moi, il est soit fait, soit dragon, ce truc. Ouais, ça passe. Et c'est vrai que par contre, ça... Il se tue. Tu te tues. Ah bah, tu me tues aussi, merde. Merde. Bon, bah, vous allez vous répartir l'XP, hein, c'est pas grave. Ah, Magikarp niveau 18. Ça augmente. Et il en a un autre. Eh ben, on va envoyer Drabi, hein, qui est le deuxième plus faible. Comment tu as eu le QR code? Bah, y avait une image qui traînait
Là, si vous avez... Ah putain, Ammonita, super génial, les gens voient le bon, hein, évidemment. Mais putain, j'ai pas lu en fait. Pas grave, on va le tenter, même si bon, on risque de crever. De toute façon, il y a le son de Pokémon juste à côté, hein, c'est pour ça que je m'affole pas. Il y a le... Moi, je follow Nintendo France en fait sur Twitter, et du coup, ils envoient des infos. Tout simple en fait. Ils envoient les infos. Voilà. Merci Lotarelana qui fait un don de 3€ encore qui dit continue à faire ce qui te plaît et bonne année. Eh ben merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, on switch là parce que là je fais de la merde. On envoie les flèches et on en parle plus. Hein. Oui, parce que, je suis trop. Je regarde Sif car elle me remonte le moral. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup. Ah, ouh, par contre, roulade. Ouh, 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 j'avais pas pensé à ce détail. Je fais vraiment de la merde. Je n'avais pas pensé au détail qu'il allait me faire très mal. Allez, tranché arbre, en espérant que tu passes d'abord. C'est bon. Normalement, tu le butes. 5 niveaux d'écart. Ouais, c'est bon. On peut trouver Drabi dans l'Ultra Soleil. Je crois, oui. On avait galéré pour avoir Drabi, mais je crois qu'il est trouvable dans l'Ultra Soleil. Arrêtez-moi si j'ai une connerie, mais... Normalement, oui. Alors, El Pokémon Center. Ah, c'est quoi ça? C'est la jungle? Attendez, on va les soigner d'abord. Les petits yeux de Motisma. Voilà, il est content. Voilà. Il est happy. Oh merde, non. Oh non, 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 non. Ah, j'avais pas prévu ce détail. Il va pas vouloir se battre quand même. La place festival, tu connais? C'est comme une fête de village géante où tout le monde vient s'amuser. On dirait que tu ne connais pas la place festival, toi. Je vais te montrer comment y aller. Je viens de découvrir ce truc. Oui, d'accord. Mais en fait, ça fait déjà un moment que vous me dites de faire ça. Je m'en fous, en fait. Ah, oui, donc c'est bel et bien ça. Oui, bah ça, il y avait déjà. Bienvenue sur la place festival. Ouais, non, mais je connais ça, mais je m'en fous, en fait, de ça. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ici, c'est mon QG. Ça, je sais pas. Ça m'intéresse pas, donc je vous avoue que je passe ça. Lag. Non, zéro image perdue. T'as des objectifs pour 2018. Continuer à faire ce qui me plaît et augmenter la qualité des vidéos. Oh, bon, allez, oui, allez. Ah, il y a aussi le Poké Loisir. Commence par aller lui parler. Je peux vraiment pas me casser de là. Oh putain. Salut. Ça veut dire qu'il y a plein de dresseurs. Une sorte de guide. Saluer. Tiens, c'est cadeau. Ok. C'est bon, ça te va? D'accord. Faut que je te parle des standards. La loterie. Très bien. Nous avons la supérette cadeau. La bicoque, bonne aventure. La teinturerie. Je ne crois pas que j'ai fait le tour de cet endroit à t'offrir. Oh. Cassez-vous! Je peux pas me casser! Je peux pas! Je suis obligé de faire ces putains de missions! Salut, hello! Si tu commences à trouver des gens qui ont envie de discuter avec toi sur la place festival, il suffit d'écouter. Pardon d'avoir douté de toi, voilà, on passe ces explications. C'est vraiment la partie relou. En fait, qu'on t'oblige à aller là, c'est relou. Surtout que ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Tu commences à inviter des gens sur la place festival. Ouais, la communication sans fil, tiens, c'est cadeau. Merci. Parce que maintenant, je peux me casser. Ah, waouh. Fais X et Y. Je l'ai déjà fait, X et Y. Il y a le let's play qui est dispo. C'est bon? Tu dois finir le didacticiel. Ouais, je me doute bien, mais... Là, il y a un truc qui va apparaître. Un nouveau stand, très bien. On va y arriver, je vous jure, on va y arriver. À chaque fois... Allez, c'est bon là. Là, normalement, on est bon. Dites-moi que c'est bon. Je me casse. Ouais, allez, 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 allez. Salut. Je m'en fous, je veux me casser. Oh, secours! J'ai un galam, GG. Ce bureau, les mini-quêtes, oui, oui, d'accord. Il y a des gens parmi vous qui ont fait ces trucs? Genre, vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en servent de ça?
Ou est-ce que je suis le seul qui en a vraiment rien à foutre? Ah! Casse-toi, viens plus jamais me parler, toi! Oh! Oh! Flure! Bouh! Quelle enflure! Je te jure! Ah, s'occuper, oui! Ah, en plus, on a dû débloquer des trucs dans le. Attendez, on a dû débloquer des trucs dans le. Dans le shop! Ta-da-da. Ok. C'était attendu, à bientôt. Ok. Bonjour, il va me dire: oh, mais vous avez des nouveaux trucs! Très bien. Voilà, qu'est-ce que... Non, bah si, non, si, si, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? La violence, c'est ça. Je veux des... Je vais te racheter des rappels, de toute façon. Je peux en racheter... Voilà, une vingtaine, ça coûte 40 000. Ah, merde, 40 000. Ah, oui, d'accord, pardon. J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Hop là. Ça devrait faire l'affaire. Bon, les amis, on va faire la pause. Pendant la pause, je vais sauvegarder et je vais surtout changer l'heure de ma DS. Comme ça. Je vais mettre à l'heure de 5h du matin pour la DS. Comme ça, on aura une heure pour gagner un niveau et demi pour qu'il passe niveau 25. Et comme ça, il évoluera en Rocabo crépusculaire. Enfin, le Rocabo, il évoluera en Loup-Garoc crépusculaire. Ne bougez pas, il y a 5 petites minutes de pause, comme d'habitude. Pour ceux de la rediff, je vous dis à très vite. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment, c'est toujours plaisir. Pour les autres, à dans 5 petites minutes.